Directrice de la rédaction notaire des éditions LexisNexis et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire qui nous réunit quotidiennement de 18h à 18h30. Ce webinaire Juris Covid-19 est une initiative conjointe des éditions LexisNexis et du Club des juristes qui est le premier think tank juridique français. Ce webinaire a vocation d'informer les justiciables et les professionnels du droit sur les implications juridiques, fiscales, sociales de la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Nous recueillons chaque jour le témoignage d'une personnalité ou d'un expert et il répond ensuite aux questions que vous pourrez vous poser. Il répondra en direct grâce à l'écran que vous pouvez trouver sur votre côté droit, normalement. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maître Jean-François Humbert, président du Conseil supérieur du notariat. Il va nous expliquer comment la profession notariale s'adapte au contexte de crise sanitaire et comment se poursuit l'exercice de ses missions de service public. En particulier, il va évoquer la publication au journal officiel de ce week-end du décret qui a autorisé la signature à distance des actes notariés. Monsieur le Président Humbert, vous avez la parole pendant à peu près 15 minutes et je reviendrai vers vous pour vous poser des questions qui nous seront soumises par nos internautes. À tout à l'heure. Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci tout d'abord à LexisNexis de me donner l'occasion de présenter effectivement le notariat dans une période tout à fait inédite dans cette crise qui maintenant se déroule depuis 3 semaines et qui amène notre profession à travailler dorénavant dans des conditions tout à fait particulières. Mais auparavant, je voudrais, parce qu'il nous oblige, saluer toutes celles, tous ceux qui continuent à faire fonctionner notre pays. Je voudrais saluer les efforts, c'est régulièrement rappelé, de tous les personnels soignants, mais ils ne sont pas les seuls. Ce sont les personnels des magasins qui sont restés ouverts, ce sont les personnes qui collectent l'ensemble des ordures et qui font que la France peut continuer à fonctionner. Et si la France fonctionne, il était bien évident que vous rappeliez que nous exerçons une mission de service public, il était bien évident que le notariat devait continuer à travailler, à opérer, à fonctionner en faveur de nos clients, des Français et en faveur également des pouvoirs publics. Alors dès le 17 mars, dès que les instructions ont été données, la profession s'est mise en ordre de bataille avec deux impératifs. Un impératif tout d'abord sanitaire, parce que c'est celui qui est le plus important, il faut protéger la santé à la fois de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs et bien sûr la santé des notaires et de leurs proches. C'est la raison pour laquelle immédiatement, dès le 17 mars à midi, a été donné comme instruction de ne plus recevoir physiquement de clients au sein des études, mais bien évidemment le deuxième impératif, qui est l'impératif économique, devait lui aussi être respecté. Et c'est donc la raison pour laquelle immédiatement, nous avons déployé un très grand nombre de solutions de télétravail pour que l'ensemble ou pratiquement la totalité des postes qui sont éligibles puissent continuer à fonctionner. Et c'est ainsi qu'en 3 jours, tout au plus, nous avons déployé 30 000 postes de télétravail dans la profession. Il y en avait auparavant 3 000 à peu près, c'est-à-dire qu'en 3 jours, ce nombre a été multiplié par 10, ce qui laisse bien évidemment entrevoir les difficultés techniques auxquelles il a fallu que nous trouvions des remèdes. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier de nouveau tous les partenaires de la profession, les sociétés, les SS2I, les sociétés qui équipent en réseau informatique, qui ont été capables de relever ce challenge. Parce que, évidemment, il fallait parvenir à garantir la poursuite de l'activité. Un certain nombre de dossiers étaient mûrs, étaient proches à donner à régularisation des actes, eh bien il était important que nous trouvions d'autres façons de parvenir à cette régularisation. Il fallait organiser des signatures tout en veillant bien à ce que ce qui qualifie l'acte notarié, la sécurité juridique, soit pleinement respecté. Et donc,
Très rapidement, nous avons été amenés à donner des instructions dans l'ensemble des études sur la nouvelle façon d'opérer pour régulariser notamment des procurations. Vous savez qu'existent plusieurs niveaux de qualification des signatures au regard du règlement européen EIDAS et immédiatement, nous avons attiré l'attention des notaires sur le fait que les nouvelles procurations sous seing privé qui peuvent se régulariser par échange de mails et sous un format numérique devaient impérativement recourir à des signatures de niveau avancé ou de niveau qualifié, mais qu'il ne fallait pas se contenter d'un niveau simple. Il n'y a plus moyen dorénavant d'obtenir des certifications de signature, mais il ne fallait pas céder sur effectivement la sécurité. Alors en même temps, un certain nombre de questions juridiques se sont posées, qui étaient nouvelles, et qui ont donné lieu à toute une foire aux questions qui a été détaillée, développée. Par exemple, nous avons utilisé pour permettre ces régularisations d'actes des solutions juridiques qui existent, mais qui étaient peu utilisées jusqu'à présent. Par exemple, la multi-représentation instituée par l'article 161 du Code civil qui permet qu'une seule personne représente toutes les parties à l'acte. C'était important parce que nous avions demandé à l'ensemble de nos collaborateurs de travailler à distance et en même temps, les études sollicitaient l'un ou l'autre et lui demandait de pouvoir venir 1 heure, 2 heures physiquement à l'étude pour régulariser ses actes. Et le collaborateur présent pouvait ainsi signer tout à la fois, ce qui est original, effectivement, signer tout à la fois pour le vendeur, l'acquéreur, le banquier. D'autres questions se sont posées. Bien évidemment, nous avons répondu que rien n'était changé sur l'acte notarié lui-même. Un notaire ne peut pas être mandataire, un de ses parents ne peut pas être mandataire. Et je vous le disais, la formalité de la certification de signature devait être remplacée en particulier par des cérémonies en visioconférence ou bien par des cérémonies de signature numérique, mais à un niveau de qualité suffisant. Puis sont arrivées de nouvelles questions parce que nous nous sommes aperçus que ces procurations, qui sont des procurations sous seing privé, ne permettent pas de régulariser tous les actes. Et immédiatement, nous avons bien pu voir que les actes solennels, par exemple, ne pouvaient plus être signés puisqu'il n'était pas question d'obtenir une procuration sous seing privé. Alors, ce sont les contrats de mariage, vous me direz que c'est moins grave puisqu'on ne peut plus se marier non plus, les mairies sont fermées. Mais ça concernait, par exemple, les pactes civils de solidarité, raison de plus pour faire des pactes civils de solidarité puisque les mairies, là encore, ne reçoivent plus. Mais ce sont aussi les ventes en état futur d'achèvement, les ventes sur plan, qui nécessitent la présence physique du client devant le notaire, ce sont les affectations hypothécaires ou les donations. Et c'est donc ce qui nous a amené à rechercher d'autres façons de travailler. Question juridique encore, j'y reviendrai sur le décret de samedi dernier. Question juridique encore, lorsque très rapidement ont été promulguées la loi d'urgence, d'une part, et les différentes ordonnances qui ont été prises. Ordonnances en matière de droit des sociétés, par exemple, puisque elle a eu des conséquences en termes d'exécution des formalités, de prorogation de délais, de publication des annonces légales. En droit de la copropriété aussi, l'ordonnance prévoyait le report des délais, par exemple, d'opposition, la manière d'effectuer dorénavant des mutations à titre onéreux. Il faut bien voir que malgré toute cette activité, le nombre de mutations, bien évidemment, a considérablement diminué parce que la vente immobilière, ça n'est pas uniquement une question juridique, c'est également une question psychologique. Encore faut-il que le vendeur et que l'acquéreur désirent, souhaitent procéder à la signature. Or, lorsque vous êtes confiné chez vous, que le vendeur ne peut pas déménager, que l'acquéreur ne peut pas emménager, et vous aurez noté qu'il y a encore quelques jours, le gouvernement a bien rappelé que l'impératif sanitaire empêchait d'organiser des déménagements. Et dès lors que tout le monde était confiné chez soi, très très nombreux ont été les parties à vouloir reporter la signature de l'acte de vente. Pour autant, les équipes sont en fonctionnement, les collaborateurs travaillent, les notaires eux aussi. Travail de façon à ce que, sitôt la fin du confinement prononcé, nous soyons bien en mesure de régulariser, avec un peu de retard, mais de régulariser toutes ces
toutes ces dispositions. Alors, il y a une chose qui n'a pas changé, ça n'étonnera pas grand monde, c'est en matière de fiscalité, puisque, alors que certains pouvaient le souhaiter, la question s'était posée, est-ce que la prorogation des délais permettra de déposer plus tard les déclarations de succession? Et la question était assez légitime, dans la mesure où la sévère crise boursière fait que céder aujourd'hui des valeurs mobilières, c'est à perte, parce que vendre un bien immobilier pour payer les droits de succession, c'est plus compliqué, l'on aurait pu espérer disposer également d'un délai supplémentaire. Eh bien, la générosité du Trésor public n'est pas allée jusque-là et les déclarations de succession, l'ensemble des déclarations fiscales, doivent bien être déposées dans ce même délai. Alors ça, c'est sur un plan juridique. On pourrait y revenir également tout à l'heure parce qu'il y a de nombreuses questions qui se posent à raison, en particulier de l'ordonnance qui proroge l'ensemble des délais. Mais il était important, en même temps que nous cherchons à soutenir l'activité des offices, de soutenir les offices eux-mêmes. Parce que, à la suite de ce confinement, le nombre d'actes a été considérablement diminué. Le notariat établit entre 15 et 16 000 actes par jour. Ce sont des actes sur support électronique. Et subitement, nous nous sommes retrouvés avec 2 500, 3 000 actes qui étaient régularisés par jour, des actes de mal-fait ou des ventes lorsque les parties l'acceptaient, par exemple le locataire qui achète l'appartement ou la maison dont il est locataire. De telle sorte qu'un grand nombre d'offices ont commencé à organiser des solutions de chômage partiel, à peu près la moitié du personnel aujourd'hui en bénéficie, mais baisse des volumes de 80% sur l'ensemble de l'activité pour la première quinzaine. Et il semblerait que pour la deuxième quinzaine de confinement, donc les 15 premiers jours d'avril, nous nous dirigerons vraisemblablement vers une diminution plus sévère encore qui pourrait atteindre près de 90%. Alors, la trésorerie des offices, bien sûr, s'en ressent. Immédiatement, la Caisse des dépôts et consignations a répondu aux appels qui avaient été faits. Et je veux également saluer son directeur, le directeur de la Banque des Territoires, qui n'a pas ménagé sa peine pour faire en sorte que les notaires aient une réponse à leurs besoins de trésorerie. Je relève qu'un notaire sur 6 à peu près a pris contact d'ores et déjà avec la Banque des Territoires. En même temps, les différentes instances de la profession, aussi bien locales, départementales, régionales, mais aussi nationales pour le Conseil supérieur du notariat, bien sûr, nous avons fait savoir que les cotisations seraient reportées ce matin. Et je m'en réjouis, la caisse de retraite des notaires a pris également la même décision et c'est une bonne chose. Il sera temps naturellement, à l'issue de cette crise, de faire une évaluation de l'ensemble des dommages pour voir ensuite comment nous viendrons en aide à toutes les études, toutes sans exception. Il faudra voir comment nous parvenons à faire en sorte que ces études puissent passer au-delà de cette crise. Alors, activité de l'étude qui correspond à cette activité de service public que Véronique Marie précisait dans son introduction, mais également, il est important de préparer le rebond. Certes, nous avons une faible activité actuellement, mais il n'en reste pas moins que ce rebond ne doit pas être freiné, ralenti par des textes et par des raisons juridiques. C'est donc la raison pour laquelle les ordonnances, notamment sur la prorogation des délais, ont été étudiées avec une grande attention. Et d'ores et déjà, j'ai soumis un certain nombre de demandes au service de la chancellerie sur l'application ou non de cette prorogation des délais à la faculté de rétractation, parce qu'il ne faudrait pas que cette volonté de protéger l'exercice des droits devienne une paralysie de l'économie et donc j'ai demandé effectivement que les facultés de rétractation ne puissent pas être différées d'un tel délai que en définitive nous ne pourrions plus vendre, régulariser une seule vente avant le 5 juillet prochain. Mais il en va de même également pour l'exercice des droits de préemption des personnes privées. Il y a deux droits de préemption, celui de l'exercice du droit puis celui de la signature de l'acte de vente sur le premier délai. Il nous semble qu'il serait bon qu'une interprétation rappelle que le délai a été fixé par la loi et qu'il n'y a pas lieu de
le modifier. Délai également en matière de conditions suspensives d'obtention de prêt, des questions se posent et surtout délai sur l'exercice des droits de préemption qui nous soucient tout particulièrement puisque l'ordonnance du 25 mars prévoit que l'instruction des droits de préemption pour en obtenir la purge pour toutes les mutations qui se réalisent à partir du 12 mars est reportée au 25 juin, ce qui signifie que le délai d'exercice du droit de préemption des municipalités courrait jusqu'au 25 août. Or, nous ne pouvons pas raisonnablement attendre le 26 août 2020 pour relancer la machine économique. Enfin, il y a une question qui n'est pas neutre, c'est que nous avons un souci sur certaines ventes qui ont été tout à fait régulièrement régularisées entre le 12 mars et le 25 mars. Pourquoi le 12 mars? Parce que l'ordonnance de prorogation des délais est rétroactive. Ce qui signifie qu'un certain nombre de ventes ont été réalisées alors pourtant que le notaire pensait légitimement que le droit de préemption était purgé tacitement, faute de sens. Eh bien, on nous apprend dans l'ordonnance du 25 mars que non, la durée non écoulée au 12 mars est reportée après le 25 juin. Ce qui signifie que les ventes ont été régularisées alors que le droit de préemption n'est pas purgé. Donc, je m'en suis ouvert également de manière à trouver une solution qui soit assez, qui permette de régulariser ces ventes. Donc, pour terminer, moi, je crois pouvoir dire que c'est surtout par temps de grand vent, tous les marins le savent bien, que l'on mesure la robustesse d'un navire, la robustesse de son équipage. Et je veux saluer l'ensemble des instances de ma profession, les compagnies départementales, les conseils régionaux, leurs présidents, le bureau qui m'entoure au sein du conseil supérieur, son directeur général. Et j'ai pu voir à quel point tous sont mobilisés pour passer une crise comme on n'en a jamais connue. Il y a des voies d'eau partout. Eh bien, nous les colmatons les unes après les autres. Nous essayons d'y répondre et nous avons toute notre énergie qui est concentrée pour faire en sorte que le notariat continue à répondre à nos clients. Ils en ont besoin et je terminerai par cela. Je prendrai l'exemple de ce numéro d'appel que nous avons ouvert, le 3620 dite notaire. Aujourd'hui, ce sont pratiquement 2000 appels téléphoniques qui sont réalisés, qui sont faits chaque jour et plus de 1000 notaires se sont mobilisés pour répondre de 14h à 19h tous les jours, week-end compris, parce que nos concitoyens qui sont confinés ont des questions, sont inquiets, c'est normal. Des questions en droit immobilier, ils s'étaient engagés dans une opération, des questions aussi de droit de la famille. Et il est important que l'ensemble des notaires soient présents pour répondre à ces questions. Je vous en remercie. Merci, Président. Alors, effectivement, nous avons beaucoup de questions. Nous n'aurons certainement pas le temps de pouvoir répondre à toutes. Alors, certaines sont assez larges et d'autres plus précises sur la technique plus juridique. Donc, on va se lancer avec la première question. Je vois que certains, beaucoup, s'interrogent sur le risque que fait courir à l'authenticité le décret qui a été publié ce week-end sur la signature de l'acte notarié. Que pourriez-vous répondre à cette inquiétude? Alors, je ne vous ai pas parlé dans la présentation de ce décret parce que je pensais bien, effectivement, que l'on me poserait la question. J'ai simplement rappelé que des actes ne pouvaient pas être établis faute de comparution devant le notaire. Il se trouve que la comparution à distance par visioconférence n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été imaginé pour répondre à une situation de crise. C'est une question qui est ancienne, qui a donné lieu à une délibération de l'Assemblée générale du Conseil supérieur du notariat du temps de mon prédécesseur en janvier 2018, qui demandait à pouvoir établir cette comparution à distance. Pourquoi? Parce que les notaires ne font plus pratiquement que des actes sur support électronique, parce qu'ils ont développé un système de visioconférence parfaitement sécurisé, crypté, non enregistrable, qui respecte le secret professionnel. Et donc, il est matériellement, techniquement possible d'avoir un échange avec son client en visioconférence. Alors, est-ce que l'on fait courir un risque à l'authenticité? L'authenticité, qu'est-ce que c'est? L'authenticité, elle est définie par la loi. C'est le recueil du consentement
par le notaire officier public. Et c'est le recueil d'un consentement éclairé parce que l'officier public a parfaitement informé son client, parce qu'il l'a complètement éclairé, il a répondu à ses questions. Cet échange de consentement est bien garanti dans le décret de samedi dernier, voire même est renforcé, puisque l'on prévoit bien que c'est le notaire officier public qui recueille le consentement. La signature du client n'intervient que de façon presque secondaire, puisque cette signature n'est là que pour confirmer que la séance de visioconférence a bien été organisée et qu'il a émis son consentement. Mais ce qui crée l'acte authentique, c'est le recueil du consentement par le notaire. Alors j'entends, je l'ai d'ailleurs dit, j'entends bien les craintes qui peuvent être formulées par certains. Est-ce que les conditions matérielles sont vraiment complètement optimales? Mais ça, ça n'est pas lié à l'authenticité, c'est lié à au cérémonial. Certains peuvent regretter effectivement de ne pas avoir un contact direct avec une personne qui est face à soi à un maître. Ce sera notamment le cas, par exemple, pour tout ce qui touche aux droits de la famille, à ce qu'il y a de plus intime. Mais en revanche, la qualité des échanges par une séance en visioconférence garantit que l'on sait, que l'on comprend, que l'on perçoit ce que son client est en droit d'attendre, quelles sont les questions qu'il peut se poser. Alors on me dit, mais qui me dit qu'il n'y a pas un revolver 1,50 m de la tête du client? Ça, ce sont des histoires de Far West. J'ai pas beaucoup de clients qui se sont jamais retrouvés dans cette situation à avoir de l'autre côté de la porte quelqu'un qui est avec un fusil de chasse prêt à tirer si la réponse n'est pas bonne. Il y a également toute la raison du notaire. Ça n'est pas une obligation de substituer la comparution à distance à la comparution physique. Aujourd'hui, certes, on ne peut pas faire autrement. Mais si le décret qui est temporaire devait se prolonger, c'est bien évidemment à l'intelligence du notaire qu'il sera fait appel pour savoir dans quelle situation ça répond véritablement à un besoin. Ça permet effectivement de simplifier certaines opérations. Moi, je relève qu'un pays comme l'Allemagne, qui ne connaît que l'acte notarié sur support papier, au début des opérations de confinement, immédiatement, certaines questions se sont posées de savoir si les notaires allemands pouvaient conserver leur monopole, leur domaine de compétences réservé en droit des sociétés. Parce qu'il n'était pas question, en temps de confinement, de ne pas réussir à régulariser des actes de société. Eh bien, est-ce que vous croyez que des statuts de société qui seront faits avec des clients que vous connaissez depuis 15 ans, 20 ans, avec lesquels vous avez déjà échangé à d'innombrables reprises, est-ce que vous pensez que ces statuts ne pourraient pas être établis à l'occasion d'une séance en visioconférence? Est-ce que vous croyez qu'un acte de donation qui a été préparé, mûri, réfléchi, mis au point, une donation partage aux deux enfants, est-ce que vous ne pensez pas que la cérémonie finale de recueil des consentements ne peut pas tout à fait raisonnablement être établie par comparution en visioconférence? Moi, personnellement, je pense que c'est un plus. C'est quelque chose qui montre également la modernité de la profession. Et je veux surtout réinsister sur ce point. Il n'y a pas d'atteinte à l'authenticité. C'est le credo de la profession. Il n'y a pas plusieurs actes notariés. Il n'y a pas l'acte sur support papier, l'acte sur support électronique. Il n'y aura pas l'acte avec comparution physique et l'acte avec comparution en visioconférence. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Je le pense et j'espère que les internautes seront aussi ravis de votre réponse, en tout cas rassurés. Une autre question sur la réalité de l'activité aujourd'hui. En fait, vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, la possibilité de signer à nouveau, certes, des actes, mais en fait, il demeure des difficultés, voire des freins à la rédaction, parce que on le sait, il manque des réceptions de pièces administratives, on est toujours soumis à l'interdiction des opérations de déménagement. Vous avez évoqué la prorogation des délais, je vous demande pas de revenir là, en l'occurrence, dessus. Comment vous envisagez la suite et notamment la réouverture des services de publicité foncière? Est-ce que ça se déroule mieux sur le terrain? Eh bien, c'est précisément mon travail actuellement. Je ne m'occupe plus que de cela.
qui est de reprendre les difficultés les unes après les autres et puis d'essayer de les régler les unes après les autres. 40 départements ont vu leur service de publicité foncière fermé. J'ai eu deux entretiens téléphoniques avec le directeur général des finances publiques. J'ai écrit au ministre Gérald Darmanin. J'en ai fait part à la garde des Sceaux également. Et je leur ai expliqué que la reprise, qui évidemment viendrait, dépendait de la possibilité de constituer des dossiers. Et si nous n'obtenions plus de renseignements hypothécaires pour garantir que le vendeur est propriétaire, qu'il n'y a pas d'hypothèque, pas de commandement de saisie, eh bien, nous ne pourrions pas, de toute manière, procéder à la régularisation des ventes. Vous aurez noté que, à la suite de cette intervention, tous les services de publicité foncière ont rouvert sur la délivrance des états hypothécaires. Autre exemple, en début d'après-midi, j'étais en entretien téléphonique avec le directeur des affaires civiles sur une difficulté que l'on rencontre. Vous savez que la loi Alur a créé une infraction théorique, une interdiction d'acheter des biens à usage d'habitation. Mais l'on est obligé d'obtenir le casier judiciaire numéro 2 pour s'assurer qu'un acquéreur n'a pas été frappé par cette interdiction. Et, dit le texte, si le notaire n'a pas cette attestation, ce bulletin du casier judiciaire, il ne peut pas régulariser l'acte. Donc nous sommes en train de mettre au point une note qui viendra de la chancellerie, du ministère de la Justice, que je diffuserai dans le notariat, qui permet, pendant ce temps où le service du casier judiciaire ne peut plus délivrer cette attestation, qui permet de constater que c'est une formalité impossible et que par conséquent, la vente pourra bien être passée, tout simplement parce que la loi ne dit pas que la vente serait nulle. Ce qui serait nul, ce serait l'avant-contrat, mais pas la vente. Donc vous voyez bien que on prend les problèmes les uns après les autres. Je parlais des voies d'eau qui s'ouvrent. On les prend les uns à la suite des autres et on essaie de trouver des solutions qui permettent justement de constituer les dossiers pour pouvoir les signer le plus rapidement possible. En revanche, il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, que les notaires ne pourront pas faire, c'est évidemment imposer à un acheteur de signer s'il n'a pas envie de signer en temps de confinement. Et je crois d'ailleurs qu'il a raison. Comment procéderait-il à une revisite pour voir l'état des biens? Comment fait-on l'arrêté des compteurs? Ensuite, qui paye les charges de copropriété à partir du moment où on n'a pas la jouissance? Et puis, comment lui garantirait-on la remise des clés? Dans la mesure où on ne sait pas quelle sera la date de libération des lieux, y compris vis-à-vis du vendeur, il n'est pas raisonnable de penser lui mettre des indemnités s'il ne libère pas les lieux, alors que précisément il ne pourrait pas le faire pour cause de force majeure, parce qu'il est confiné. Donc il y a tout ce travail, à ce moment-là, des notaires, qui est de prendre la tâche des parties, de négocier des délais en ayant une explication raisonnable vis-à-vis de l'ensemble des parties, pour leur faire comprendre que, bien, il faut trouver des solutions concrètes. La vente d'immeubles, du coup, je rebondis sur ce sujet. Quelles sont maintenant, aujourd'hui, les relations de la profession avec les autres professionnels de l'immobilier, puisqu'il y a eu quelques échanges récemment assez difficiles. Je vise notamment les agents immobiliers et on pourrait aller au-delà, les promoteurs et les collectivités publiques. Mais vous voyez ce à quoi je peux faire référence, je pense. Oui, mais je me porte en faux parce que vous avez un homme qui s'est lancé dans des critiques malvenues, mal fondées, qu'il ne voyait que ses propres commissions qu'il voulait percevoir, quel que soit l'état sanitaire de ses clients. En réalité, à la suite des déclarations de cet homme, j'ai reçu de nombreux appels d'agents immobiliers, de présidents de réseaux d'agences, d'autres syndicats, parce que ça n'était jamais qu'un seul syndicat, qui m'ont fait savoir qu'ils se désolidarisaient totalement. Parce que la démarche du notariat a toujours été de concert avec les agents immobiliers avec qui nous travaillons en permanence et toujours en bonne intelligence pour réussir précisément à débloquer certaines situations. Ce sont les contacts que j'ai eus d'excellente qualité avec la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui a permis d'avoir cet argument supplémentaire pour pouvoir établir des actes avec comparution à distance, parce que nous ne pouvions plus établir de vente en état futur d'achèvement. Or, pour ces actes-là, il n'y a pas de question de déménagement, il n'y a pas de problème non plus de revisite avant la signature, l'immeuble n'est pas achevé. Il était important pour la trésorerie des promoteurs,
de trouver des systèmes pour les débloquer. Donc, notre action, elle est concertée et elle se passe parfaitement bien avec l'ensemble des opérateurs. Je n'ai pas entendu votre question. Le son paraît avoir été coupé. Véronique, est-ce que tu peux remettre ton micro qui a été coupé apparemment? Ah voilà, vous m'entendez? Je vous entends. Maintenant, je vous entends oui. De nouveau. On a quelques perturbations, c'est le direct. Je vous demandais sur l'activité économique de la profession, est-ce qu'il y a des études en difficulté aujourd'hui et qui ne peuvent pas télétravailler et est-ce que vous envisagerez une solidarité financière pour les études, effectivement, qui s'avéreraient en difficulté? Alors. Il est tout à fait exact que les difficultés sont patentes. Sur le mois de mars, c'est un demi-mois, puisque les 15 premiers jours fonctionnaient convenablement, mais ensuite, les deux dernières semaines ont connu une très forte contraction d'activité. Et bien sûr, le mois de mars, 45% des offices sont déficitaires. Sur le mois d'avril, je crains que ce pourcentage ne soit très largement supérieur, dans la mesure où nous n'aurons même pas bénéficié des 15 premiers jours. Il est trop tôt aujourd'hui pour savoir exactement quelles seront les pertes, les difficultés, dans la mesure où effectivement nous ne connaissons pas la durée du confinement. Simplement, j'ai donné des instructions, des conseils à l'ensemble des études pour solliciter des crédits de trésorerie qui seront utilisables si besoin est. La Banque des Territoires, je le disais, s'est mobilisé pour pouvoir rapidement répondre à la demande des notaires, qui peuvent aussi faire appel auprès de tout le système bancaire tel qu'il a été développé par les pouvoirs publics. En même temps, il faut surveiller la situation de l'emploi. Éventuellement, il y aura des mesures de chômage partiel qui devront se développer. Ce qui est important, c'est que les études conservent leur force de travail pour la reprise, et que par conséquent, elles aient bien toutes leurs équipes opérationnelles pour être capables de répondre aux nouveaux besoins qui se manifesteront dès que les clients pourront plus aisément et plus facilement retourner chez leur notaire. Alors, vous me posez la question, est-ce que effectivement nous aiderons les offices? Bien sûr, et d'ailleurs, d'ores et déjà, certaines chambres se sont positionnés pour expliquer qu'il y aurait des remises de cotisations. Il y aura un échange global qui se fera avec l'ensemble des présidents d'instances, avec le Conseil supérieur du notariat, pour savoir quels sont les besoins, qui en a le plus besoin, pour savoir sous quelle forme l'aide pourra être établie. Les années passées ont été des années qui étaient économiquement prospères, qui ont permis que des réserves soient faites dans l'ensemble des instances, eh bien ces réserves, c'est aujourd'hui qu'il faut les utiliser pour soutenir l'activité des offices. Merci. J'ai une question. On va revenir sur la signature de l'acte. Sur le fond, elle revient à plusieurs reprises. Est-il possible de recevoir un acte à distance avec une personne qui n'est géographiquement pas en France? Mais cette question est tout à fait intéressante parce que le notaire est nommé français, est nommé par ses autorités, ses pouvoirs publics, pour établir un acte au nom de la République française. Et c'est au nom de la République française que le notaire établit et délivre, par exemple, une copie exécutoire. Donc le notaire doit, un, se trouver en France, doit, deux, établir un acte à l'appui de la législation française dans son domaine de compétence, mais le lieu physique
de situation du client n'a plus aucun intérêt puisque nous sommes dans une relation dématérialisée. Lorsque la comparution devant le notaire s'opère de façon dématérialisée, peu importe qu'il se trouve à Paris, à Lyon, à Marseille ou à Singapour, il est devant le notaire qui lui instrumente dans son office en France avec son domaine de compétences pour faire une vente, par exemple, d'un bien immobilier situé en France et en appliquant les lois françaises. Donc, cette question est intéressante, je le disais, parce que elle ne va pas au bout de la logique de la dématérialisation. La dématérialisation fait que l'endroit, le lieu physique où se trouve la chaise du client n'a plus d'intérêt, puisque ce qui importe, c'est le lieu où se trouve la chaise du notaire. Le notaire, en revanche, ne pourrait pas, j'en suis convaincu, se déplacer en Allemagne ou dans un autre pays pour recevoir de manière dématérialisée un acte authentique, puisque là, cette fois-ci, il ne serait plus dans le pays au nom duquel il instrumente. Merci, Monsieur le Président. Alors, les questions sont encore nombreuses et nous pourrons répondre à toutes, comme je vous l'indiquais, car nous allons arriver à la fin de ce webinaire. Je vous encourage pour les participants à suivre nos prochains webinaires et naturellement, nous allons revenir sur l'actualité de la profession avec d'autres intervenants. Vous pouvez aussi consulter le blog du Club des juristes. Vous retrouverez de nombreux articles, dont ceux issus notamment de la semaine juridique notariale et immobilière, puisque toute la rédaction est fortement mobilisée aussi pour assurer pour vous la continuité de l'information. Je tiens à vous remercier sincèrement, Monsieur le Président Humbert, pour avoir autant participé à ce webinaire. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et restez en bonne santé. À très bientôt. Au revoir. Merci.